L'école s'y a été créée en 1960. J'ai 524 élèves à l'école. 524. Mmh. Commençant par les bancs là. Nos bancs sont très insuffisants. La toiture ici demande à réfectionner. Ça coule trop. La toiture ici. Quand il pleut là, les enfants ne parviennent même plus à rester. Même moi, je ne peux plus rester ici au milieu. On a déjà trop arrangé rien. Donc, j'avais demandé la réfection de cette toiture. Je parle de toute la salle. On refait la toiture. Et puis, les bancs. Les bancs ne suffisent pas. La salle d'informatique que j'avais aussi demandé là. Si on fait l'informatique ici, ça doit être très bien. Ça va apporter une nouveauté dans le village. Où le français et l'anglais sont des langues officielles. Donc quand on parle de bilinguisme au Cameroun, il s'agit du français et de l'anglais. Good morning, class. How are you? Fine, thank you. How are you? I am very well. Do you know them? Do you know them? Yes. Oui. Les blancs. Les blancs, ils sont de quel pays? De quelle nationalité? Oui. Hein? Ils sont de? De Kéti. Voilà, Kéti. Et on les appelle comment? Là, c'est bien. Applaudissez-vous. Quand on vous donne quelque chose, vous applaudissez d'abord. Voilà. Vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous leur dites maintenant? Nous avons besoin de maîtres qualifiés ici. Des maîtres qui sont titulaires du CAPIEM. Ou si c'est le diplôme professionnel universitaire, il faut que ce soit au moins le BEPC. Are you finished? This girl, yes. I go. Yes. Vous les remarquez? Yes. Hein? Yes. Qui va dire? Qui va parler? Oui. Ce sont les Italiens venus de Kéti. Ce sont nos frères italiens qui sont venus de Kéti. Voilà, c'est très bien. Il y a 26 candidats. Il y a 26 candidats qui vont présenter le CS de Bati. Good morning, class. How are you? I am very well. Moi, je suis un enseignant ici à Bati. Je tiens la classe du cours moins 1. Dans ma classe, j'ai au total 86 élèves. Il y a 50 garçons, 46 filles. Donc, au total, 86. Et disons que le travail n'est pas facile au niveau du village. Les enfants sont trop faibles. Il faut déployer beaucoup d'efforts pour relever un peu le niveau. Quoi qu'on fasse, ils ont la tête dure. Ils ne sont pas suivis à la maison par les parents. Ils n'ont même pas le document. Les livres, ils n'en ont pas. Même ils ont difficilement le cahier. De temps en temps, il y a certains élèves qui n'écrivent pas parce qu'ils n'ont pas le bic. Ils n'ont presque rien pour écrire parce que les parents sont pauvres. Ils n'arrivent pas à leur doter le nécessaire pour venir à l'école. Les parents sont pauvres dans l'ensemble et ça se répercute sur le travail scolaire de leurs enfants. Oui, c'est la raison pour laquelle le rendement est toujours très faible ici, dans des écoles rurales, principalement à l'école publique de Bati. Oui. Voilà vraiment le véritable problème qui se pose ici. Nous avons vraiment de la peine à enseigner dans la zone rurale. Oui. Il nous faut bien du temps. Oui. Pour remonter le moral, pour remonter le niveau de ces enfants. Oui.